marguerite. Si tu m'apprends à faire danser tes moutons, je t'apprendrai à faire danser ton cheval. Et toi, Fulgent, tu es tellement maladroit. Oui. Vous, sire du noir, où allez-vous combattre pour vaincre les Anglais? Je vais à Orléans. Qui vous envoie? Une jeune fille de 17 ans. Elle s'appelle Jeanne. Grâce à l'anneau de ses parents, elle a touché la main de Sainte Catherine, de Sainte Marguerite et de Saint Michel. Je veux accompagner Jeanne devant Orléans. Tu sais, elle est entourée que d'hommes. Déjà une femme dans l'armée, ça fait déjà assez. Oui, je voudrais l'accompagner. Marguerite, nous ne pouvons pas, mais tiens, c'est elle. C'est Jeanne à Lorraine. Jeanne de Don Rémy. Bonjour, chevalier Fulgent. Qui es-tu? Je m'appelle Marguerite. À vos services. Je veux dire à votre service. Chevalier Fulgent, nous devons aller sur Orléans. Vous ne reviendrez qu'après la victoire. Mais qui va garder le château en notre absence? Elle. Oui, c'est à toi, Marguerite de la Pastourelle, que tu devras défendre le château contre les Anglais en notre absence. Mais je ne pourrai jamais. Je n'ai que des mains frêles pour cueillir des roses ou les jeter en fleurs dans les douves. Eh bien, Marguerite, entre tes mains frêles, je te remets ma lance. Elle te protégera et fera pour toi des miracles. Cette lance de feu m'a été donnée par l'archange Saint-Michel quand il m'a paru dans une grande lueur à Dorian. C'est une arme du ciel. Elle t'ouvrira le rempart et donnera au donjon le feu sacré. Chevalier Fulgent, allons-y. Bonjour. Belle journée, n'est-ce pas? Même pas fatiguée? Mais d'où venez-vous? Où allez-vous? Nous allons à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah oui? Et d'où venez-vous? De Bourgogne. Oh là là! Nous, on se méfie des bourguignons. Ils sont avec les Anglais. Oui, mais pas les vrais pèlerins. Ding dong, ding dong, ding dong. C'est justement l'heure de l'Angélus. Rassemblons-nous tous. Ah oui, vous êtes des vrais pèlerins, vous êtes des coquilles Saint-Jacques. Ça, les vrais pèlerins ayant droit. Je peux me joindre à vous? Bien sûr. Ah, oh non, les bourguignons, n'approchez pas. Oh,